Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Resident Evil 4, les gars. On va se faire plaisir avec Ada, les gars. J'ai remarqué que généralement dès le début je suis un ouf sa mère, et puis après je suis en mode oui, bon bah du coup maintenant on va tout simplement faire ci, ça, ça. Donc c'est vrai que c'est un peu con, mais c'est comme ça. Au début t'as la patate, puis après tu perds, tu fais de la merde, et du coup t'as moins la patate, machin. Enfin on s'en bat les steaks, c'est parti, on charge les données, les gars. On charge les données, voilà. Bon, on se calme aussi un petit peu quand même, hein. Voilà, donc le dernier chapitre, les gars. Je suis super content, sa mère. Ah ouais, non mais attends, le dernier chapitre, ça fait plaisir. On va se terminer ce chapitre, là, franchement. Le meilleur des chapitres pour moi. Bah, je me rappelle plus ce qu'on fait dedans, mais bon. À part qu'on tue Crozer, c'est tout. C'est tout ce que je me rappelle, dis donc. Voilà, en attendant, apparemment, on va être là, hein. Un endroit que j'aime pas avec Léon. Peut-être qu'avec elle, ça sera mieux. Des nouvelles, nous... Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Et bah voilà, nickel. Bon, chapitre 5, c'est parti les gars. Donc le dernier des chapitres. Et là, ça fait plaisir. Donc on doit juste aller là-bas et niquer Crozer. Voilà, tout simplement. Pas bien compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler à lui. On va voir ce qu'il nous veut. Qu'est-ce que tu nous veux, cher étranger? Voilà, non, qu'est-ce que tu... Ouais, donc XL, pourquoi pas. Ouais, donc ça fait plaisir. Et toi, on va acheter ça, voilà. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, toujours rien. Au niveau de la vente, ça dit quoi? Ça dit que je peux vendre ça. Ça dit que je peux vendre ça. Et puis, bah, c'est tout. Ok, nickel. Non, franchement, ça fait plaisir. C'est un maximum de pognon, comme d'habitude. Et puis voilà, hein, nickel. On va... Ouais, bon. On va recharger. On va pas non plus y aller. Ah, d'accord. Putain, mais... Oh, je suis devant toi, là. Tu... Hey, tu commences pas à me saouler, mon gars, là. Ça va pas le faire, ça, hein. En attendant, moi, je te défonce direct. Regarde, je te défonce. Voilà. Y'a personne d'autre, c'est bon? Nickel. Ah, mais il a déjà tout cassé, quoi. Oh, mais c'est génial. Ah ouais, mais il y a quand même lui, quoi. Ah, lui, par contre, je suis obligé de le faire fusil à pompe, les gars. Ah ouais, non, mais t'es ouf, toi. Tu as cru que j'étais quoi, moi? Je suis pas non plus un Thug Life, moi. Hein. Attends, attends, faut le taper. Ah, mais non, je peux pas le taper. Non, mais tire à côté. Eh merde, mais t'es sérieux, quoi. Hein. Non, mais non. Mais non, mais sérieux quoi. Vas-y, casse pas les couilles, fils de pute. Toi. Allez, c'est parti, on va bien finir par y arriver. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà, donc vous voyez, déjà là, on commence bien. Putain, tais-toi. Toi, ta gueule. Bon, déjà là. Ça va pas le faire, mon petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça vite, 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 vite. Voilà, casse pas les couilles, mec. Ah ouais, non, mais attends, moi je suis comme ça, moi. Moi, je suis un pur thug dans l'âme, moi. Regarde-moi ça un peu. Bah voilà. Et bah voilà, c'est tout. Fallait pas en demander plus. Oh, recule, recule, recule. Mais quoi, mais comme ça, tu recules pas, salope. Oui, toi, tu m'as pris par derrière, c'est magnifique. Et oh, y'a rien de pervers là, fais pas chier. Bon. Putain. Oh là là, bon. L'autre qui m'a bloqué. Enfin, l'autre, le truc, l'endroit qui est bloqué, ce qui m'a bien fait chier. En attendant, toi, je te défonce. Merci beaucoup. Voilà, bon. Si possible. Voilà, voilà, super, génial. Non, mais génial, génial. Tout simplement génial. Putain, et je fais vraiment n'importe quoi. Ok.
C'est limite je les one shot. Bon, étape, merci beaucoup. Quoi? Putain. J'ai l'impression que l'autre il était encore en vie. Allez, fais pas chier gros. Putain, et franchement. Chaud patate là. Chaud patate. Et franchement, on a commencé genre en mode. Direct, c'est le. Oh! Et vas-y, mais tu allais tirer ta putain de flèche. Espèce d'enfoiré de merde. Quoi? Quoi? Mais vous arrêtez de me violenter comme ça là? Mais oh, franchement, regardez, je suis une petite victime quoi. Putain, tu fermes ta gueule toi. Pas me casser les couilles longtemps. Voilà, toi t'es mort, ah nickel. Putain, oh mais c'est un truc de fou quoi. Je suis en mode petite victime de merde quoi. Eh, mais attends, ça va pas le faire ça. Oula, calme-toi gros. Voilà, calme-toi, boum, casse-toi. Ça fait plaisir. Hop, je te défonce comme d'habitude. Je te défonce comme d'habitude. Je te défonce. Bon, bon, on arrête les conneries. Il a rien du tout, non? Putain, en fait, on est monté là-haut juste pour trois pauvres flèches, quoi. D'accord. Mais non, mais... Putain, c'est vraiment... Oh, c'est bon. Ça a réussi. C'est magnifique. Ah, c'était au cas où que le mec, il voulait me choper. Y a pas de souci, quoi. Hein. Oh, oh. Le mec est pas mort. Le mec est pas mort. D'accord. Faut m'expliquer un jour là parce que je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. C'est chelou, tu vois. Ouais, non, le mec est pas mort quoi. Enfin, comment c'est possible? Franchement, je me demande. En attendant, faut que je fasse gaffe parce que si là je meurs, je recommence tout. De chez tout. Qu'on fait gaffe. Y'a personne. Espèce de sale petit enfoiré de merde. Oh, 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 oh là là le truc. Putain, mais ça peut pas être une plante verte ça. Oh, j'ai pas de plante verte les gars là. Putain, j'ai obligé d'utiliser ça quoi. Bon, c'est pas très grave. On va pas pleurer non plus hein. Oh non, la plante jaune. Mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Oh putain. Ah, mais franchement, comment se faire victimiser quoi. En attendant, je vais recharger ce fusil à pompe quand même, parce que bon, ça me paraît intéressant de le recharger. Ok, bon bah ça c'est fait. Heureusement, je n'ai pas été victime de l'accident. Oh non, je peux pas revenir en arrière quoi. Et si j'oublie un truc, hein, je fais comment? Espèce d'enfoiré. Ah là, il y en a une de plantes vertes. Oh oh, là le problème c'est que. Je suis un peu dans la merde. Bah vas-y, mais attendez. Je viens à peine de taper là les mecs. Y a déjà je sais pas combien de. Enfin, qu'il y en a un autre qui arrive. Quoi. Attends, attends, attends. Calme-toi, gros. Tape. Heureusement que je suis réactif. Hop là. Hop là. Hey, calmez-vous, les gars. Franchement, je vous assure, calmez-vous parce que là, c'est chaud patate. Donc, si vous pouviez vous calmer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, super, super. Oh, magnifique. Oui, c'est bon. J'ai chaud, hein. Oui, oui, oui. Oh là là, mais c'est trop sympa, trop sympa. Bon, toi, par contre, tu penses bien que... J'ai pas trop envie de me faire niquer. Non, mais il m'a eu. Il m'a eu d'où quoi. Genre le mec il est parti je sais pas où, il a réussi à me choper quoi. Téléportation le mec, c'est. Bon toi tu vas pas me saouler bien longtemps. Mais non, tu vas pas me niquer mon gars, j'ai un truc de ouf toi. Bah du coup on va utiliser la plante jaune. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de vie. Voilà, nickel. Ok. Ah si tu pouvais fermer ta gueule. Oula, par contre, toi. Ah ouais, non, je vais pas me faire chier avec toi, hein, parce que franchement, ça me donne pas envie. Voilà. Par contre, je veux bien, voilà. Ouais, non, en fait, non. On va pas tenter le diable, hein, comme on dit. Voilà, ferme ta gueule, merci.
Parce que bah c'est pas que tu pues de la gueule, mais un petit peu quand même. Oh putain. Oh putain. Heureusement que j'ai des réactions moi. Bon, en attendant, ça me plairait bien d'utiliser une petite grenade. Voilà, sympathique. Si je pouvais te défoncer aussi en même temps, voilà. Voilà, maximum de dégâts. Allez, 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 s'il vous plaît. Oui. Non, j'ai tapé. Putain, c'est dégueulasse. Ta gueule. Ouh. C'est que t'as failli me défoncer, toi. Hein. Espèce de petit coquin, va. Putain. Bon. En attendant, viens ici. Oh, 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 oh. Calme-toi, calme-toi. Calme. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire les gars, je suis vraiment pas beaucoup au couteau, mais bon, qu'est-ce que je te dis. Cet endroit est dur. Il y a beaucoup d'enculés. Ah putain, attends, attends. Ouais, mais c'est de l'esquive à gogo là. Abonne-toi, esquive à gogo. Ah putain, non, saloperie. Oh, on va encore utiliser de la vie quoi, j'en ai plus maintenant. J'en avais blindé, mais non, j'ai plus rien là. Tout ça parce qu'il y a des bouffons qui me chopent quoi. Genre le mec il chope, t'as perdu la moitié de ta vie, t'sais. Normal quoi. Ta gueule. Allez, pas chier. Hop là, ça c'est fait. Bon bah enfin. Oh là là, dis. Compliqué tout ça, hein. Compliqué. Bon. Oh oh, là je suis dans la merde, parce que... Des pauvres connards là. Wow. Ta gueule. Le mec il m'a saoulé. Bon, en attendant, je vais essayer quand même d'aller. Bon déjà on va aller là. Voilà, et je vais essayer d'aller là-haut. Là je pense qu'on va, on doit faire la même chose que Léon hein, je pense hein. Ça me paraît logique. Est-ce que là je le défonce? Bah non, bah non. Là je vais me faire défoncer. Allez, de toute façon c'est toujours comme ça hein, là-dedans hein. Il met toujours 2 ans à réagir. Du coup on se fait défoncer comme une merde. Et du coup c'est de la merde, ouais, tout simplement. Allez, ferme ta gueule mon gars, merci. Ouais, si possible, ouais, si on pouvait... Voilà. On va descendre quand même le plus vite possible, histoire de défoncer un maximum, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Nickel. Bon, en attendant, on se fait un peu plaisir quand même. On le défonce. Et on va regarder un peu au niveau des bijoux. On a raté quelque chose au niveau des bijoux. Mais si on a raté quelque chose. Où c'est ça? Je crois que c'est vers là-bas. Enfin bon, on s'en fout un peu. En attendant, on récupère le peu qu'on peut. Le peu qu'on peut. Non mais non. Allez vas-y, mais pourquoi ils font ça là? Eh mais c'est vraiment chiant. Mais c'est un truc de fou mon gars. Chaque fois de tomber sur des putains de connards comme ça. Oh là là, et ils ont pas autre chose à foutre là que nous foutre des pauvres cons là comme ça. Hein. Bon. En attendant. Donc ouais, le bijou doit être là-bas, là. Tu passes par là, tu vas derrière là-bas, je sais pas où. Enfin bon. Ça doit être un truc comme ça. Juste au niveau de la vie, il faut que j'en récupère. Bon, bah encore une fois, on va utiliser la plante jaune. Hein. Hop. Voilà. Ça, on va se faire un maximum de vie comme ça. Bon, ça va, on va dire que ça va. Donc là, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Oh là là. Ah, il n'y a pas les mitraillettes. Il n'y a pas les mitraillettes. Donc ça fait plaisir. Ok, moi, tu sais, moi, je me voyais déjà avec les mitraillettes et tout. Truc de ouf, ça meurt. Bon, alors, calmez-vous, merci. Calmez-vous, merci. Hein. Attends, voyons donc. Hein. C'est pas comme ça qu'on se comporte, merci. Hein. Ouais, petite blague. Bon, si tu pouvais... Oh, mais ils sont tous sur fléchettes ou quoi, là? Oh, toutes les fléchettes que j'entends, mon gars. Chlac, 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 chlac. Ouais, c'est tombé. Les mecs, c'est des grands acharnés, là. Calmez-vous un peu, hein. Oh non, pas ça. Oh non. Oh merde. Mais putain, arrêtez avec vos putains de... Oh là là. Eh, c'est énervant, hein. Oh putain, en plus, il y a un mec en face, là.
Vas-y, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Il y a tout le monde qui me casse les couilles. Comment je vais faire? Allez, 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 on y va. Putain, je vais faire comment, gros? Oh là là, mais ils me saoulent, ces gens. Mais non, mais j'ai même pas le temps de tirer et tout, là. Pff, ça me saoule. Oh putain, encore? Eh, mais ils sont abonnés aux connards, là. Voilà, casse-toi. Oh putain, mais attends, mais gros, mais attends deux secondes, gros, j'ai rien, gros. J'ai pas eu le temps de préparer mon discours. Putain, le mec, j'ai même pas le temps de préparer mon discours ou quoi que ce soit. Vas-y, il est là, il me casse les couilles. Tiens, espèce d'enculé, va. Je m'en fous, je vais te crever. Voilà, ça, ça fait plaisir. Bon, en attendant, on n'a pas beaucoup perdu de vie. On est encore en vie, hein. Bah, il vaut mieux le préciser, hein, voilà. Donc, on active ça. Ça, au moins, c'est fait. Ok, voilà. Donc, hop. On descend. Mais non, mais descends, là. Oh, elle est lente, hein. Elle fait n'importe quoi. Bon. Hop. On va vite là-bas. On va défoncer l'autre. Je crois qu'on aurait dû défoncer l'autre. Hein. Bon, c'est pas très grave. Quoique si, c'est grave. Bon, oh, on s'en fout, quoi. Oh. On fait à l'instinct. Les... Et tu vas pas me casser les couilles, toi. Qu'est-ce que tu me fais, là? Hein? Qu'est-ce que tu me fais, mon petit? Pés enculé, va. Tiens, boum! PD, va. T'es mort ou pas? Putain, le mec est pas mort, quoi. Bon. Nous, on va reprendre notre grenade. Ah, merde. J'avais oublié celui-là. Je l'avais oublié. Salut, mec. Comment tu vas? Hop! Connard. Putain. Ah, mais franchement, je te dis, hein, il y en a. T'as vu, on reçoit plein de carreaux, mais ça nous sert à rien du tout. Vu qu'on n'a pas l'arbalète. Et qu'on n'aura jamais l'arbalète d'ailleurs. Voilà, donc hop, on récupère ça, on reprend de la vie. Nickel. Bon, alors juste comme ça. Au niveau du truc, ça donne quoi? Tu peux retirer un coup, s'il te plaît? Ouais, il s'en bat les couilles, le mec. C'est bon, j'ai compris. Tu veux me défoncer? Je crois que je suis suffisamment... Bon, je pense que ça se comprend suffisamment que tu veux me défoncer. Hein. Voilà, mais tu vois, ça c'est l'intelligence, les gars, tu vois. Et si t'as pas ça dans le game, ah bah, t'es dans la merde. Putain, ça c'était obligé. Alors juste comme ça, on va reprendre un minimum de vie quand même. Hein, parce que bon, nous on est des fous. Voilà, recule mon petit, recule. Bah voilà, là c'est bon. Alors l'autre il nous a même pas tiré dessus, ce qui m'étonne extrêmement beaucoup, mais ce qui me fait extrêmement plaisir aussi. Eh ouais, bah attends, ça fait plaisir, ça il faut le dire. Voilà, donc hop, on récupère encore des balles de mitraillette. Voilà, donc là il n'y a rien du tout. Alors c'est pas que j'en ai rien à foutre de ta vie, hein, mais un petit peu, voilà, donc... Tu m'excuseras si je t'esquive un peu, hein. Je suis un peu comme si t'étais pas là, tu vois. Voilà, je suis un gros connard, je sais. Voilà. Non mais le mec, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah bon, il y avait un ennemi? Oh, bah, je l'ai même pas remarqué, tiens, dis donc. Bon, en attendant, on va récupérer, voilà, ça. Et là, on va faire quoi? Bah là, on va se faire défoncer par des connards. Ah non, il y en a qu'un seul. Bon, ça tombe bien, dis donc. Oh, il y en a un tout à l'heure. Je lui cut, enfin tout à l'heure, non, la dernière fois, je veux dire. La dernière fois, il y en a un, je le cut. Au niveau des jambes, le mec, ça le cut, enfin ça fait comme si j'avais cuté au niveau de la tête, quoi. Truc de ouf, quand même, hein. Le mec fait, ah, mal aux yeux, tu sais, alors que je lui ai cuté la jambe, tu sais. Enfin bon,
pourquoi pas. En attendant, toi, je te défonce. Le mec a vraiment cru qu'il allait me balancer un lance-roquette alors que je suis juste devant lui, tu sais. Non mais, le mec pas très intelligent, tu vois, ça, ça arrive, ça arrive. Tiens, qu'est-ce qu'elle dit, elle, tiens. Une épave d'hélicoptère. Il a l'air américain, que s'est-il passé ici? Bah, il s'est passé une explosion. handicapé. Bon. Toi, je te défonce. Merci, toi. Ça donne quoi? Ça donne... Ah, il y a un petit bijou ici. Intéressant à savoir. Yes! Je l'ai défoncé. Allez. Merde, je suis dans la merde, les gars. Waouh, j'ai chaud. Oh putain, merde, il y a l'autre là-bas. Oui, oh là là, j'ai eu chaud. J'ai pris un risque. Mais j'ai réussi. J'ai repris un risque. J'ai re-réussi, les gars. Mais tu vois, là, ça c'est bon, tu vois. Quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. Bon, voilà, si tu pouvais crever, merci. Hein? T'es le mec qui s'appelle Merci, quoi. Si tu pouvais crever, merci, ça serait génial. Oh merde. Non mais attends deux secondes, gros, j'ai un truc à prendre avant. Si tu pouvais éviter de me saouler. Hein, clairement. Clairement. Ouais, bon, hop, voilà. Ok, l'autre me voit pas, c'est nickel. En espérant qu'il me voit pas entre temps. Non, c'est bon, mais nickel. Bon, bah voilà, ça fait plaisir. En attendant, toi, tu fermes ta gueule. Je te défonce. Et puis, bah, je te cut. Voilà. Je te cut. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire je te coupe. Hein. Voilà, je te cut, je te coupe, tu vois. Coup de coupe. Voilà, coup de coupe, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre. Coup de coupe, ouais, c'est. Parce que cut en anglais, ça veut dire coupe, hein. Voilà, enfin. C'était un petit moment traduction. Voilà. Voilà. Non mais quand on sait, autant le dire. Hein. Attendant, c'est pas qu'on va se faire défoncer là. Mais un petit peu. Mais au moins on va briser des couilles. Et ça c'est marrant ça. Briser des couilles c'est marrant. C'est ma passion, tu vois. Enfin c'est sa passion en l'occurrence. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Ok, voilà. Comme je vous avais dit, un brisage de couilles. Ah, mais non, mais c'est sa passion. Du coup, on se barre vite. Hein, voilà. On se barre vite. Putain, je t'avais pas vu, toi. Enfin, je t'avais pas vu. Tu m'as compris, quoi. Hein. Bon, parlez. Qu'est-ce que tu me veux? Donc, acheter. Ouais, ça, on s'en fout. Oh, du spray. Ça fait plaisir. Hop, juste un seul. Allez, espèce d'enfoiré. hop, donc ça on vend direct. Ah, donc là on va battre, effectivement. Je suis un peu long à la détente, mais effectivement on va battre l'autre connard là. Qui est... je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, on s'en fout un peu. non, franchement, je sais plus. C'est chiant. Crozer. Alors, on va battre Crozer. Et puis voilà, tout simplement. Bah oui. Donc attends, juste toi, si je pouvais te défendre. D'accord, je dis de la merde là. Ouais, non, juste pour récupérer tout ça. Oh, mais encore une plante jaune, les gars. Je commence à fatiguer, les gars. Je commence à fatiguer. Là. J'y arrive plus là. Bon. Hop. Puis
putain. Et en fait, ils sont tous à la fléchette, quoi. Hein. C'est vraiment tous en mode gros connard de merde. Hein. Vas-y, y'a des enculés, PD de merde. Non, ils sont méchants avec moi, mais t'as vu ça un peu? Regarde comme ils me traitent, quoi. Oh putain! Mais deux secondes, gros, mais. Ouais, calmez-vous! Calmez-vous! Et moi, je vous le dis, calmez-vous! Est-ce qu'ils montent, là? Ah, vous pouvez pas monter, nananananer, vous pouvez pas monter, papa monter, bon, moi, je peux pas sauter non plus, donc. C'est un peu dommage. Du coup, je peux pas vous défoncer. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc là-bas. Ok. Ah, il est là-bas en plus. D'accord. Ok, il est à gauche là. Ouais, bon, bah, qu'est-ce que je vous dis, hein. Il faut enculer. Bon, en attendant. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va le battre. Donc, on va préparer le fusil à pompe. Au moins, c'est fait. Et puis voilà. Peut-être la mitraillette, ça serait mieux. Putain, du coup, j'hésite, quoi. Bon, bah voilà. Donc ça va faire mal. Regarde-moi ça un peu. You. Au KLM, hein, y a pas de souci. Ils s'entretuent, tu vois. C'est... Ils aiment ça. Ça fait peur. Hein. Mais il est moche, mais un point. Oh, Krauser, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Ok, d'accord. Bon, en attendant. Merde. Esquive, esquive, esquive de ouf. Merci. Esquive de ouf. Attendez, attendez, attendez. Il y a beau avoir esquive de ouf ou je sais pas quoi, là je suis dans la merde. Hein. Je vous le dis direct. Ouais, je suis en train d'hésiter à prendre une plante rouge, mais ouais, c'est conseillé. Putain, mais attends deux secondes, gros, j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Eh, ta gueule. J'ai esquivé. Je m'en bats les steaks. Je te rends ouf, tu vois, j'esquive comme ça, moi. Tu vois, moi, je vais même vers lui, moi. Hop là, j'esquive, tu vois, je suis comme ça, moi, tu vois, je suis un thug. Mais non, j'ai esquivé. Oh, t'es dégueulasse, je sens que ça va être dur. Putain, ouais, oh, j'ai réussi. Oh. Putain, je pensais pas que la mitraillette allait le niquer aussi facilement, quoi. Fusil à pompe, il nique que dalle et... Je sais pas, parce que tout à l'heure, moi, la mitraillette, ça niquait que dalle, quoi. Enfin, pas sur lui, hein, mais sur quelqu'un d'autre, je sais plus qui c'était. Enfin bon, on s'en fout. Ah, je crois que c'était sur le mec à la mitraillette. En attendant, là, je me fais défoncer, donc hop, on va reprendre de la vie, quand même, parce que, bah, nous, on n'est pas non plus des thugs, hein. Ah, donc là, vous pensez bien à la fin. Là, je le fais pas au couteau parce que c'est complètement con. Hein. On fait pas le crozer au couteau là. Enfin, du moins, j'ai jamais essayé, je crois. Mais bon, je préfère pas essayer, vous pensez bien. Non, mais attends, esquive. Oh, j'ai réussi. D'accord. Nickel. Oui, mais attends, on est des bons. Non, attends, s'il te plaît, j'ai des trucs à récupérer. Oh. Bon, pour le peu que c'était. Pour le peu que c'était. Attends. Mais non. One shot, quoi. Putain. Ouais, c'est parti. Cette fois-ci, moi, je te défonce. Mais genre au KLM, tu vois. Mais quand je te dis au KLM, c'est au KLM, homme, tes gars. Donc fais gaffe. Parce que moi. Oh putain, dis. Moi, je suis un fou. Moi, je suis comme ça, moi. Je suis un fou dans l'âme. Donc fais gaffe. Attends, je vais juste récupérer ma truc. Merci. Ouais, donc si tu pouvais éviter de me faire chier. Hop là, petite esquive, mon petit. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, allez, encore une esquive. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, encore une esquive, hein. Bah oui. Hop là, et encore une autre. T'as quoi en stock? Allez, encore une esquive, mon petit. Mais t'es nul. T'es à chier. Regarde ça. Je te défonce quand tu veux. Hop là, encore une esquive. Alors, on fait moins le malin, là, hein. Ho, 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 ho. Eh, franchement, les gars, mais regardez-moi ça. Oh, en plus, c'est que du AX depuis tout à l'heure. Mais on est au KLM, les gars. Regardez-moi ça. Hop, on reprend un petit peu de vie. Donc, juste là.
Et voilà, boum, on est tranquille. Regardez-moi ça. Mais c'est trop simple. Oh là là là. Oh, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, voilà, on s'est fait plaisir. Voilà. Ok, apparemment il a un bel instrument. Bon bah l'instrument est en train de rétrécir. On va rien dire. Non mais franchement on va rien dire. Pas de commentaires, rien. On pourrait commenter, hein, mais non, vaut mieux pas. Bon. En attendant, on n'a pas encore fini le chapitre parce qu'on doit récupérer notre échantillon. Donc il nous reste 2-3 petits trucs à faire. Attends, attends, juste comme ça, je regarde. Si je le pète là. Là, Léon, il regarde, il fait oh, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça a pété? Bon, laisse tomber. Ouais, donc du coup, on récupère ça. Hop, voilà. On récupère. Bah, pas ça. Hein. Hop là. Voilà. Donc, va savoir pourquoi là il est en vert, lance-grappin. D'habitude, il est en rouge, là, il est en vert. On ne sait pas pourquoi. Hein. Ah, mais si, on doit le battre, mais oui! Oh là 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 là. Et chez les gars, je sais pas comment je vais faire. Hein. Et oui, mais ouais, le boss final, on doit le battre. Et oui. Bon. Munitions de pistolet, tout ça, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Alors, on va juste, voilà. Hop, le spray. C'est tout, quoi. Ah, c'est tout ce qu'on a. Ok, alors juste, on va sauvegarder, les gars. Parce que je le sens pas bien. Attendez, attendez. Voilà, on va juste faire ça. Voilà, on va sauvegarder. Au cas où, parce que je sens pas ce boss final. Ah, je vous le dis direct, hein. Je sens pas bien. Donc du coup on va aller là-haut. Hop, lance grappin. Alors elle se faufile dans un petit machin tout petit. Enfin bon. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Let's go! Ok, ok, là on est dans la merde. Là on est grave dans la merde, les gars. Va falloir courir. En plus, il est violent, mais il fait mal. Lui, il plaisante pas. Oh putain. Aïe aïe aïe. Oh, ouais, je vous l'avais dit. Il plaisante pas. Ah non, ça fait mal. Ah là là, bon. Ouais, on va récupérer ça. On va récupérer ça. Cette fois-ci, on fait ça. Vite, 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 vite. On récupère ça. On récupère ça. Et là, on va... Hop, 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 calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, César, dis donc. Allez, voilà. Calme-toi, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bah, je m'en bats les steaks. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il me tire dessus! Mais t'es sérieux, gros? Oh, mais il me tire dessus, quoi. Le mec, il a que ça à foutre dans sa vie, me tirer dessus. Mais c'est un grand malade, le mec. Bon. Attends. Calme-toi. Oh. Eh, mais t'es un stressé de la vie, mon petit. Hein. Bon, peut-être pas autant que moi, mais... Non, parce que là, franchement, tu...
Tu fais stresser, hein, on va pas dire le contraire, hein. Bon, par contre, t'es où? Ouais, calme-toi, calme-toi. T'es un grand malade, mon gars. Toi, je vais te niquer, mon gars. À la limite, t'es peut-être plus compliqué à battre comme ça qu'en temps normal, quoi. Enfin, que quand tu es là où je pense, quoi. Eh, fais pas chier, gros, pas chier, voilà, meurs, meurs. Meurs, sale PD, meurs. M'en bats les steaks, j'esquive, mon petit. Voilà, y'a que ça qui est bon, de toute façon, esquiver, mon petit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Voilà, ça c'est bon, mon petit. Ah, j'ai plus de balles par contre. J'ai plus de balles, donc si tu pouvais avoir l'amabilité de pas trop me tuer, hein, enfin de. Ou de me passer mes balles aussi. Poum! Oh, je te cut, mon gars. Oh, ça doit faire mal. Aïe, ça fait mal par contre. Voilà, et franchement, on se fait plaisir. Hein. Hop, 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 hop. Calme-toi, je sais pas où t'es. Je sais pas où t'es, papa où t'es. Enfin, laisse tomber. Voilà, donc hop. On peut pas lancer les flèches directement à main nue comme ça, là. Ça me ferait plaisir quand même, hein. Hop là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, gros, hein? Bim, bim, bim. Oh, esquive! Putain, mais t'es sérieux? Oh! Mais il fait pas semblant, le petit, là. Ça fait mal. Mais attends. Oh, mais attends deux secondes. Oh, mais... Oh! Calme-toi, José, là. Grand malade, ce mec. Comment je fais, moi? Putain. Putain, vas-y. Calme-toi, calme-toi. Cut, cut. Oui, cut. Putain, c'est bon, ça. Putain, j'ai esquivé sa mère. Oh, j'ai esquivé. Calme-toi, gros. Calme-toi. Descends-toi. Oh là là. Et je sais pas comment je vais faire. Hein. Je serre les dents, les gars. Oh, putain. Calme-toi. Non, arrête tes conneries. Putain, avec mon vieux fusil à pompe, quoi. Oh là 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 là. Calmez-vous. Imagine si j'essaye de le battre au couteau. Non, je pense pas, non. Hein. Vu comme il me nique au corps à corps. Attends, t'es où, t'es où? Calme-toi. Arrête. Mais attends, j'ai même pas le temps de réagir là. Bon. On va pas se cacher que de la vie serait très utile là. Ouh, attends, mais j'ai des grenades. Mais ouais. Tiens, espèce d'enculé. Oh putain. Ouh, j'ai eu de la chance là. Oh. Je peux vous le dire, j'ai eu de la chance. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Bim. Nique-t'en. Ada! Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Voilà, voilà. Allez, c'est parti.
Ah voilà, bon, on va lancer le grappin. Par contre, là, va falloir speeder, hein, donc on n'aura pas le temps de trop tuer les ennemis. On va prendre notre bon vieux pistolet, voilà. Donc, hop, calme-toi, toi. Tu vas pas commencer, Monte. Quoi, déjà? Bah, si, bon, salut. Non, mais tu m'as saoulé, ta gueule. Hop là. Oh ouais, non, mais attends, le mec, il est là, quoi, il te casse les couilles déjà dès le début, quoi. Hallucinant, le machin, c'est. Bon, toi, par contre, hop, je veux bien te défoncer un petit coup, quand même. Ça fait toujours plaisir. Hop là, voilà. Non, mais là, on est bien, tu vois. On le défonce, tranquille. Pas de bouclier, c'est nickel. Or toi, par contre. Voilà, hein. On va pas se cacher que tu me saoules un peu avec tes fléchettes. Oula, oui, toi, par contre. Tu fais peur, toi. Voilà. Merci beaucoup. Casse-toi. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc, hop. Petit lance-grappin. Il nous reste une minute. Ouais, on va dire que ça va. Ça va, on a le temps. Ça dépend des ennemis qu'il y a sur notre chemin. Hop, vas-y, on le défonce, nous, on est comme ça. Voilà, ça c'est bon. Enfin. Ouais, il faut vraiment qu'on se barre, quoi. Mais attends, gros, attends. Wesh, attends, quoi. Voilà. Donc, ouais, attendez. Non, ouais. On va pas trop s'amuser. Oulala. Attendez, hop. Voilà, ça fait plaisir, voilà, pof. On nique tout. Non, mais nous, on est comme ça, tu vois, on nique tout comme ça. Bon, par contre, il faut vraiment qu'on speed, là, hein, parce que vous avez vu, il reste 30 secondes. Il nous reste une quinzaine de secondes de parcours à faire, donc... Et hop. Allez, voilà. Casse pas les steaks, gros. Non. Oui, je suis passé. Oui, je suis passé. Allez, le petit grappin, qui fait toujours plaisir. Et voilà, c'est nickel. Donc, vous avez dit, hein, quinzaine de secondes de parcours à faire. Boum. Là, on a eu une quinzaine. Ah putain, mais attends. Ah ouais, mais c'est pas fini. Oh là là. Allez hop, prends-le. Voilà. Putain, c'était limite, les gars. J'ai bien fait de speeder. Et ben voilà, on a fini le jeu avec Ada. Ça fait plaisir. Regardez, petite scène finale. Lui, il le prend direct et il le tire. Hein. Il a pas besoin de l'équiper, de quoi que ce soit. Bon, c'est génial, ça, dis donc. Voilà, donc monsieur devient tout noir et meurt comme une merde. Génial. Et là, hop, le petit machin, nickel. Et ben voilà. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. C'est quand même bien fait, quand même, hein. Parce que quand tu regardes, à la base, ça n'existait pas, ça. Ils l'ont créé après, dans les futurs Resident Evil 4, sur les... sur les récents consoles, quoi, hein, sur les récentes consoles, ils l'ont rajouté, hein, donc sur PS2, tout ça. Et donc avant, ça y était pas. Donc vraiment ils sont bien calés et tout, ils l'ont bien fait, quoi. C'est pas mal. C'est bien calé avec l'histoire, quoi. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Voilà, donc on a les codeurs, tout ça, voilà, quoi, on s'en fout un peu. Ça a l'air d'être que des Chinois. Ou des Japonais. Mais je crois que ce jeu est chinois, donc... Non, franchement, je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire. Je sais pas du tout. Bah non, Capcom, est-ce que c'est chinois? Ouais, après, c'est autre chose. Franchement, je saurais pas te dire, fais pas chier. Demande pas, je m'en fous. En attendant, on va quitter ça parce qu'on s'en fout un peu. Hein, on s'en fout un peu, franchement, entre nous. Voilà, donc enregistrement en cours, machin, tout ça. Sauvegarde réussi. Ah, donc sauvegarde réussi. Oh, on a mis 4 heures quand même pour le faire, ce truc. Hein. Pouh là là, 5 chapitres, 4 heures. Presque une heure à chaque chapitre, quoi. 32 morts.
Ça fait mal au cul, hein. Donc, ennemi tué 307, ça va. J'aurais préféré une 308, mais c'est pas grave. Taux de coup au but 68%, ok. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc, si t'as envie, ça t'éclate. Hein. Voilà, voilà. Donc, intéressant. Ça fait plaisir, dis donc. Donc, on va sauvegarder ça. Voilà. Hop, nouveau tour, je parie. Nickel. Que des nouveaux tours. J'ai du nouveau tour sur le normal, sur le professionnel, sur le ADA. Pas encore sur le facile parce que je l'ai pas fait. Mais j'ai la flemme de le faire. Bon, du coup, bon, on a fini. Resident Evil 4. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, regardez, hein, franchement, chargé de partout. Donc là, c'est une partie normale, mais que j'ai à peine commencé. Mais au final, la partie normale, je la fais là en vrai. Donc en gros, celle-là, c'est celle qu'il y a là. Seulement que, bah, ouais, j'ai re-sauvegardé sur le deuxième emplacement, tout ça. Enfin bon, c'est une petite histoire à la con. Voilà, donc du coup, et bah, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Donc jusque-là, nickel. Hop là, donc on va mettre tour. Et vas-y, pouf. Ouais, je fatigue moi du coup. Bon. En attendant. Hop, on a fini ça. Donc, la prochaine fois, on fera du Resident Evil Révélation. Donc, on fera le mode mercenaire. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Là, le mode commando, je crois. Ou un truc dans le genre. Enfin bon, truc à la con, quoi. Et on fera toutes les trucs, quoi, hein, tous les la première, la deuxième, la troisième, enfin jusqu'à la dernière, quoi. Et puis voilà, on en fera une par une et on augmentera de niveau en même temps, tu vois, ça fera plaisir. Je crois que je suis niveau 40 et quelques, quoi, un truc dans le genre, ou dans les environs de 40, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien terminer. Et donc pourquoi pas profiter en même temps faire des vidéos dessus. Voilà, donc du coup, moi je pense que j'en ai terminé au niveau de ça. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Moi je vais aller me coucher parce que bah il se fait un peu tard. Et puis voilà. Donc bon, avant je vais faire le montage. Enfin, ouais, bon. Non, en fait non, je vais pas faire le montage, je dis de la merde. Non mais je suis dans mes pensées. Enfin, en attendant, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao en espérant que ça vous aura plu. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.